Croyez-moi, c'est pour votre bien. Non, mais j'en ai jamais douté. C'est pour vous protéger de la tentation de partir. Je serai de retour de mission dans 4 jours. Alors je laisse quelques hommes au camp afin de veiller sur vous, de vous nourrir, puis de vous emmener... M'emmener pisser, vous voulez dire? Voilà. Oh, c'est super. Ça va être la grande rigolade pendant 4 jours. Je vous promets de revenir victorieux et de vous couvrir de gloire. Ah bah quand j'aurai passé 4 jours attaché au plumard, j'aime autant vous dire que j'en aurais besoin, hein. Je suis désolé de la ramener, mais j'entends des bruits de pas. Oui, ça doit venir du fait qu'on marche. Vous devriez me faire confiance, j'ai une oreille de chien. Ah, je vois. Il faut une sacrée oreille pour entendre des bruits de pas qui n'existent pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas tout seul là-dedans, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Si on tombe sur quelqu'un, on le zigouille, et puis c'est tout. En espérant qu'il soit moins d'une dizaine. On peut bien être 30, c'est pareil, je les prends tout seul et sans me fatiguer. Attends, si vous avez quelques appréhensions, vous pouvez toujours retourner à Camelot et vous tourner les pouces avec vos anciens collègues. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Quoi? Alors, il y en avait des pas ou il y en avait pas? Dites, vous allez pas vous battre ici, hein? Parce que si vous y restez, j'arriverai jamais à retrouver la sortie tout seul. Pas de provocation intempestive. On n'a pas la place de se battre ici. Vous n'avez rien à faire ici. C'est à moi qu'on a renseigné ce tunnel. Très exactement, c'est à moi. C'est Venec qui me l'a indiqué et ça m'a coûté 25 pièces d'or. Oui, bah moi aussi, c'est Venec et ça m'en a coûté que 18. L'un d'entre nous doit abandonner, Arthur. Il n'y a pas la place de circuler à 2 équipes dans cet endroit. Et vous vous sentez de renoncer? Pour tout dire, je pensais pas à moi. Tiens non. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On rentre dans nos campements respectifs. Et celui qui a le courage d'affronter l'autre revient à la tombée de la nuit à l'entrée de ce tunnel. Très bien. Retournez dans vos confins et réfléchissez bien. Parce que si vous êtes à l'entrée du tunnel ce soir, moi je vous déglingue. Je vous conseille d'utiliser efficacement votre temps de réflexion. Parce que ce soir, s'il y a quelqu'un à l'entrée de ce tunnel, je le désintègre. D'accord. Alors à ce soir. C'est ça. À ce soir. Quand même. Il faut le temps de tailler la route. Alors? Personne. J'ai attendu, rien. Pas un bruit de sabot. Et pourtant, j'ai l'oreille fine. Il a renoncé. Arthur a eu la trouille et il a renoncé. Quand même, c'est bizarre. Ah, c'est au contraire tout ce qu'il y a de plus logique. Un pleutre entouré d'une équipe de pleutres, face au danger, circule. Ou alors, il se sera souvenu d'une chose urgente à faire à Camelot. Il se sera surtout souvenu de mon indiscutable supériorité. Dénué de courage, mais pas de bon sens. Il a laissé la place au plus fort. Bon, Seigneur Galsin, faites préparer mon cheval. On retourne à la caverne et on termine la mission. Edith, je suis pas écuyer, moi. Je vous ai dit, faites préparer. Je vous ai pas demandé de le faire vous-même. Ah, pardon. Pourquoi vous vous défilez? Vous allez passer pour une mauviette. À votre avis, il faut combien de temps pour mener la mission de la caverne à bien? Bah, tout dépend, hein. En explorant comme il faut... Sans tomber sur trop d'embûches. 4 jours? 3 avec du bol? Pendant au moins 3 jours, Lancelot sera dans une caverne. Ça veut dire que pendant 3 jours, il sera pas à son camp fortifié. Faites préparer mon cheval, je m'en vais. Mais je suis pas écuyer, moi! Non, mais c'est à moi qui parle.